Il est Mohamed Taha, directeur associé à Défi Expertise. Aujourd'hui, on a choisi de parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est les nouveautés de loi de finances 2015. Pourquoi ce sujet? Parce qu'il intéresse aussi bien les sociétés nouvellement créées, les sociétés étrangères et les sociétés qui exercent leur activité depuis des années au Maroc. Le choix de ce sujet a porté sur quatre points essentiels, à savoir les nouveautés sur l'impôt sur la société. Le deuxième point concerne la TVA. Le troisième point, c'est l'IR, l'impôt sur le revenu. Et le quatrième point, c'est les droits d'enregistrement et les changements que cette loi de finances a apportés par rapport à ces quatre volets. Donc, on va commencer par l'IS et par la disposition la plus importante. La disposition concerne l'imputation des excédents d'IS payés par les entreprises. À titre de rappel, avant l'année 2015, tout ce qui est excédent d'IS payé par les entreprises pouvait être imputé seulement sur un exercice. Et donc, si jamais il y a un excédent supplémentaire, toute société devait demander un remboursement de crédit d'IS à l'État, ce qui prenait en général des années et des années avant le dénouement de l'opération. À partir de 2015, dans le projet de loi de finances, cette imputation est devenue libre. Donc, toute société peut imputer de manière continue l'excédent d'IS jusqu'à épuisement, ce qui représente un avantage très intéressant pour les entreprises, d'autant plus que ces dernières années, l'IS a connu un changement de barème. Et puis, toute entreprise a des années différentes, et donc ce qui a permis une optimisation intéressante en termes de trésorerie surtout. Pour tout ce qui est impôt sur le revenu, les dispositions les plus importantes concernent la limitation de l'imputation de l'assurance maladie, la contribution sur l'impôt sur le revenu. Donc, la disposition ancienne permettait l'imputation de la totalité de la contribution de la mutuelle ou l'assurance maladie. Et donc, dans la loi de finances 2015, ce qui a été prévu, c'est juste l'imputation de 50% de cette valeur. Un deuxième point sur l'IR concerne l'ANAPEC. Ce qui était prévu auparavant, c'est que toute société recrutant à travers l'ANAPEC bénéficiait de 36 mois d'exonération de tout ce qui est CNSS, IR. À partir de l'année 2015, pour le projet de loi de finances, ce qui a été prévu, c'est qu'il y a une exonération de 24 mois au lieu de 36 mois. Et puis, pour la troisième année, une imputation de 60% de tout ce qui est CNSS et IR, et cela dans une mesure de faire bénéficier l'employeur d'une exonération quand même de 24 mois qui reste intéressante, et l'employé d'une cotisation partielle à la CNSS à partir de la troisième année à hauteur de 60%. Le troisième point, qui est un point très important pour l'encouragement du recrutement et de l'animation du marché de l'emploi au Maroc, concerne l'exonération à partir de 2015 pour toute société créée en 2015. L'exonération totale pour les salaires égaux ou inférieurs à 10 000 dirhams de tout ce qui est fiscal et tout ce qui est social. C'est-à-dire, si une entreprise recrute un salarié en 2015 et cette société même est créée en 2015, tout salaire inférieur ou égal à 10 000 dirhams est exonéré de manière totale de l'IR, de la CNSS et toute autre contribution sociale. Cette exonération est conditionnée par deux conditions. Premièrement, le salarié doit être recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, d'une part, et d'autre part, le recrutement doit s'effectuer dans les deux premières années de la création de l'entreprise. Ce point a été inclus dans une logique d'encourager les entreprises à recruter des cadres moyens et d'animer davantage le marché de l'emploi dans une période de crise mondiale.